Ah, Gears of War 3, ça faisait longtemps qu'on attendait ce jeu. Ah mais non, c'est pas ça, je suis con. Et non, c'est Turok, bien sûr. Turok is back. Turok est de retour sur PlayStation 3, mais également sur Xbox 360 et sur PC. Et il était sorti début 2008, et ça date tout de même. Ça fait un an et demi qu'il était sorti. Alors bien sûr, Turok, souvenez-vous, la grande époque de la Nintendo 64, hein. Moi, je m'étais fait, personnellement, j'ai beaucoup joué aux deux premiers Turok. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo du premier. Bon, c'était il y a fort longtemps, hein, c'était une de mes premières vidéos. Bon, une vidéo assez moyenne évidemment, mais la passion était là, c'est le principal. Et c'était vraiment, Turok 1, c'était juste le plus beau FPS de sa génération. C'est à l'époque de sa sortie, moi je me rappelle, il n'y avait pas un seul FPS plus beau que Turok. Sur console, hein, je parle bien sûr. Et donc rien que ça, ça donnait déjà, si vous voulez, un atout considérable au jeu. Voilà, après c'est vrai qu'il y avait un brouillard de ouf. Bon, le jeu était super répétitif, très difficile, des phases de plateforme vraiment super chiantes. Bon, franchement, pour parvenir à la fin de Turok 1 sans cheat code, sans tricher ni rien, eh bien, bon courage. Franchement, faut se lever tôt, quoi. Mais le jeu était génial. Et le 2 était vraiment très, très bon aussi. Et les armes également. Les armes, c'était génial. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce Turok nouvelle génération, hein ? On n'avait plus eu de Turok depuis 2003. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va voir un peu ce qu'il en est, mais franchement, ne vous attendez pas à grand chose. On va faire cette vidéo en une espèce de direct live. Alors, il a un mode multijoueur. Je m'y suis essayé et étonnamment, il y a encore du monde. Je n'y attendais pas. Franchement, je pensais que tout le monde avait déserté ce jeu depuis bien longtemps, mais non. Non, non, non. Là, si je mettais partie publique, partie rapide, en quelques minutes, on serait déjà sur une map multi. Donc, soit en deathmatch, en solo, par équipe, capture the flag, enfin. Tous les modes classiques et habituels sont là. Mais il y a encore du monde. Il y a encore du monde qui joue à Turok en multi. Truc de ouf, online quoi, sur internet. Je ne l'attendais pas du tout. Bref, on va charger une nouvelle partie. Bon, normal, ça sera largement assez difficile. Le mode normal. Vous voyez qu'ils sont malins. Je viens d'y penser là. Ils sont malins parce que vous avez vu. Attendez, est-ce qu'on peut revenir là? Ouais, on peut revenir. Regardez, ils mettent il y a un mode normal, difficile et inhumain. Et vous trouvez pas? Il n'y a pas en fait de mode easy quoi. Vous trouvez pas ça? Est-ce que vous trouvez ça logique qu'il n'y ait pas de mode débutant? Vous voyez le truc? Généralement c'est easy, normal, hard le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois un mode super hard pour ceux qui en veulent vraiment quoi, pour les vrais de vrais. Bon. Et là il n'y a même pas de mode easy. Pourquoi? Et parce que le jeu il est super dur à la base. Parce que étant donné que le gameplay est moisi de ce jeu, et ils n'ont pas pu faire en sorte de faire un jeu facile quoi. Il n'y a pas de mode easy. Parce que le jeu est super dur, rien qu'en mode normal, quoi. Enfin, en tout cas, ceux qui veulent le faire en inhumain, d'ailleurs, je m'aperçois que je ne peux pas sélectionner le mode inhumain, il faut probablement finir le mode normal ou difficile pour le débloquer, ben, j'ai envie de dire bon courage, hein, parce que déjà en normal, franchement, faut en vouloir. Enfin, c'est faisable, mais ça reste chiant. Donc, je n'ai pas fini le jeu, j'ai dû y jouer deux petites heures à tout casser, et ben, je me suis bien fait chier, je dois dire. Sauf sur la fin, c'est pour ça que je me suis dit, ben, voilà, là, dans Retrouvailles, ah, c'était pas trop mal, l'environnement était plus joli, c'était sympa. Donc j'ai juste joué quelques minutes et puis j'ai arrêté. Je me suis dit, ah bah je vais faire ça en direct live dans la vidéo. Donc une vidéo semi-découverte, semi-direct live, un petit peu comme j'avais fait avec King Kong. Là en ce moment j'hésite à vous montrer l'intro du jeu, le prélude. Parce que c'est pas trop mal, on se retrouve dans un vaisseau. En gros le vaisseau va se prendre un missile en pleine poire et on va s'écraser sur la planète là, que l'on voit en fond. Évidemment, infesté de dinosaures et de soldats auxquels il va falloir en découdre. Mais non, on va pas faire ça. Je vais directement, on va rentrer directement dans le feu de l'action.
Cette partie, vous écraserez la sauvegarde. Vous... Oui, c'est bon, j'accepte. On va charger cette partie-là. Puis bon, je vous raconte le scénario, de toute façon, c'est... J'ai même pas envie de vous raconter le scénario, je vais vous dire. Franchement, c'est... Évidemment, on incarne Turok, c'est toujours un Indien. Enfin, il a des origines indiennes. Mais maintenant, c'est un espèce de super soldat, quoi, dans un commando d'élite, des espèces de Marines. Enfin, voilà, c'est toujours la même chose, c'est énervant, quoi. Ils peuvent pas faire un truc différent. Les développeurs d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se démarquer des standards, des standards habituels, quoi. Voilà, moi je trouve ça vraiment. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu, je dois dire. Alors, une petite cutscene. Alors qu'il y a marqué sauvegarde en cours, donc c'est fini. Laissez, je m'en charge. Ça te manque de poignarder les gens dans le dos. Comme Kane te l'a appris. Comme Kane te l'a appris. Alors j'ai branché mon casque, exceptionnellement. Généralement je mets le son du jeu très bas, mais là, comme je fais souvent quand je fais un direct live, genre La Grande Évasion ou King Kong, je vous mets un casque pour histoire d'être mieux immergé, émergé plutôt. Histoire d'être mieux pris, mieux, plus dans l'ambiance de la chose, quoi. Donc là on voit un flashback, c'est quelque chose qu'on aura assez souvent dans le jeu. Un flashback de Turok, son ancienne vie si on peut dire. Et on voit également le grand méchant du jeu. Donc là on voit Turok, bon, lui c'est le grand méchant. Et voilà, à gauche c'est Turok. Et en fait c'est son ancien chef, voilà, son mentor on peut dire. Donc en gros Turok était aux ordres de ce bonhomme, donc de Kane à une certaine époque, quelques années plus tôt. Et maintenant, donc, on se retrouve sur cette planète et le but, ben, c'est le contraire, c'est qu'il doit éliminer Kane maintenant. Voilà, c'est un commando en gros qui a été envoyé sur cette planète pour éliminer Kane. Donc on a des soldats, évidemment il y a des dinosaures qui se trémoussent un petit peu partout. Voilà, un hélico qui vient de se poser. Et c'est parti. Alors l'herbe est pas mal, vous avez vu, c'est de la vraie herbe. Enfin, c'est de la vraie herbe. Non, d'ailleurs je dis des conneries parce que c'est de la fausse herbe. Mais ce qui est pas mal, c'est que regardez. Voilà, l'herbe bouge réellement sous le corps, sous nos mouvements, vous voyez. Quand on bouge, l'herbe bouge. Mais c'est pas de l'herbe en 3D, regardez. Si je me mets ici, je tourne tout autour de l'herbe, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que ce n'est qu'une image 2D. C'est une simple skin 2D, quoi. Ce n'est pas une vraie touffe d'herbe, quoi, vous voyez. On le voit bien quand on fait ça. On se croirait revenu sur 32 bits ou sur 64 bits, putain. Ah, ça donne me foutre les boules. Mais c'est assez joli, là, cet environnement est assez beau. Je dois vous dire que là, je viens de passer une heure dans un espèce de complexe, une espèce de bunker à la Jurassic Park. Ah, mais te voilà un ennemi, je crois. On va se le faire au couteau. Regardez, je suis derrière lui. Regardez, là, il y a une icône R2. Là, voilà, elle s'affiche, j'appuie. Et voilà. Petite cutscene, et il est mort. Ça, c'est l'un des très, très rares aspects de ce jeu que j'ai adoré. C'est les phases au couteau. Donc, vous l'avez vu. En gros, dès qu'on réussit en fait à s'approcher assez, que ce soit d'un soldat ou même d'un dinosaure, c'est ça qui est hallucinant, quoi, c'est qu'on tue les raptors et compagnie à main nue, juste avec notre pauvre petit couteau, en un seul coup, avec une simple cutscene. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu abusé, mais je trouve vraiment ça assez fun, je dois dire. Alors sinon, comme autre arme, on a évidemment l'arc, hein, fidèle à Turok. En gros, ce sont les deux seules armes... que l'on est obligé de garder sur nous, regardez, avec la croix directionnelle, voilà, c'est avec la croix directionnelle que l'on peut choisir notre arme. Voyez, si je vais vers le bas, le couteau, et en haut, l'arc. Ces deux armes-là ne changeront jamais. Et ensuite, on pourra avoir deux autres armes, seulement deux, et là, on devra faire un choix entre la mitraillette, le pompe, le flingue, et probablement d'autres armes que je n'ai pas encore obtenues. Là, par exemple, si je mets un coup, là, par exemple, là, oh putain, là, j'aurais pas dû faire ça, parce qu'ils ont dû me voir, là. Non, c'est bon. Donc là, il y a les raptors. Oulala, parce qu'il est en train de monter vers moi, lui. Non, je suis touché par je ne sais pas quoi. Alors, on va se reculer. Le voilà. Le voilà. Ok, on va prendre le flingue, c'est plus facile. Vous allez voir qu'avec le flingue, je vais... Oh putain, là, il essaie de me choper. Donc, vous voyez, avec R2 et après... Allez, je vais me rapprocher de lui, mais c'est pas vrai. Ça va m'énerver, là. Mais c'est pas vrai. Ça y est. Oui, je crois qu'il est mort. Ça allait m'énerver, là. Qu'est-ce que je disais? Ben, je sais plus du tout. Bah, allez, on va avancer. On va pas perdre de temps. Je vais prendre une arme. Non, pas là, parce que je crois que je n'ai plus de flèche. Ah, si, j'ai une flèche. Alors, je vais détendre l'arc doucement. Douce, voilà, pour ne pas tirer la... N'importe quoi, je l'ai tiré quand même. Splendide. Alors, je vais prendre le shotgun. Voilà, on va recharger, c'est bon.
Putain, mais le gameplay est vraiment, vraiment pourri, je vous assure. Oh là là, c'est ça le gros souci de ce jeu. Moi, ce jeu, j'aurais pu tout lui pardonner, vous voyez. Sauf son gameplay. Pourquoi ? Parce que la sensibilité est extrêmement élevée. Et que réussir à zigouiller un mec, eh bien, ça révèle de l'exploit. Parce que quand on tourne, ça va... Regardez-moi ça, ça va super vite. Et c'est ça le gros souci. Alors, où est-ce que... Alors regardez, en appuyant sur le joystick analogique gauche, hop, on voit notre objectif, fouiller l'épave au sommet de la colline. Et on voit également une petite flèche qui s'est inscrite. Ça indique l'endroit où l'on doit aller. Même si on n'a pas toujours accès à cette flèche. Alors, il y a un truc que je trouve complètement con. C'est que regardez, là, on a une... je crois que c'est un morceau de notre vaisseau quoi, qui a explosé dans l'espace, en gros. Et c'est complètement con, parce que des morceaux comme ça, on en... ça fait 2 heures que je fais le jeu, ça fait 2 heures qu'il y a des morceaux comme ça partout. C'est-à-dire que c'est comme si notre vaisseau, quoi, il avait explosé sur plusieurs kilomètres carrés, qu'il y avait des épaves comme ça partout. Bon, je trouve ça un petit peu ridicule. Mais bon, c'est pas la seule chose que je trouve ridicule. Allez, on va avancer, donc c'est par là-bas, on va y aller. En essayant de faire gaffe, je vais prendre mon arc. Pour être silencieux, bien sûr. Hein. L'arc permet surtout d'être silencieux. Voilà, là c'est magnifique. Enfin, je n'ai pas dû alerter ces petits copains, s'il y en a. Alors graphiquement, c'est très 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 moyen. Hein. Franchement, les textures sont limites. On est à la limite, limite, limite. Hein. Surtout les... Là encore, on est en extérieur, donc ça va. Mais... quand on est en intérieur, c'est super. Alors là, je parie qu'il peut. Voilà, j'en étais sûr. Quand on voit une espèce de liane comme ça sur un rocher, ça veut dire que ça fait office d'escalier en fait. Et on peut grimper dessus. Donc, ah, c'est pas cette chose là. J'entends. Ah, voilà. Évidemment, des méchants vont se poser à tous les coups. Je vais rater. Putain, quel gameplay de. Ah, voilà, lui avec moi. Alors oui. Depuis le début, je me trimballe ce type. Alors regardez. Alors là, comment on va, je crois qu'il s'est fait toucher. Alors, ils sont immortels. Putain, je suis dans la merde. Voilà, vite. Seulement, est-ce que les autres sont en train de me tirer dessus. Enfin, oh putain, mais d'où il sort là. Voilà, c'est, je suis mort, c'est fini. Je suis mort, c'est fini. Donc vous avez vu, en fait, quand on utilise le couteau, on peut tuer les ennemis d'un seul coup. Mais quand on est en train de le tuer, s'il y a que ce soit des raptors ou des soldats à côté, eh bien, les soldats peuvent toujours nous toucher, quoi. C'est-à-dire que pendant que la cutscene est en train de se dérouler sous nos yeux, on se fait toucher. Donc là, il y a également quelque chose qui tourne par rond. C'est pour ça qu'en règle générale, il vaut mieux utiliser le couteau. En fait, réussir à se déporter derrière un ennemi pour pas qu'il nous voit, et on le tue comme ça un petit peu hein, furtivement, vous voyez le truc. Oh putain, je recommence de là en plus. Oh putain, essayez de se manier cette fois-ci. Oh non, est-ce qu'on peut la passer? Oui, c'est bon, on peut la passer. Oh, regardez, là, j'ai deux bonhommes avec moi. Non, je les ai perdus. Où ils sont? Bon, pas grave, je les ai perdus. Je vais me le faire. Regardez, quand on est derrière, regardez, ils nous voient pas. Donc là, c'est pas mal. Et hop. Les cutscenes... ce qui est sympa, c'est que les cutscenes sont assez diversifiées, quand même. Donc là, on va passer par là-bas. On va aller par là. J'y vois que dalle en plus sur ma télé là, je suis en SD, TV cathodique 100 Hz, ça bave de partout, c'est ignoble. Donc cette fois-ci on va tenter de speeder. Allez, on va aller par là, c'est bon, personne m'a vu. Je vais prendre le pompe quand même, on sait jamais. Oh putain, là il y a un méchant. Est-ce qu'il m'a vu? Non, il m'a pas vu encore, il m'a pas vu, on va attendre. Il m'a pas vu, si ça y est. Ça y est, il m'a vu là. Putain, mais c'est... ok, là... Putain, mais tu les vois même pas arriver, ces conneries! Regardez-moi ça, il faut 30 coups de pompe, alors qu'avec le couteau, tu le tues en un coup, ce dino. Alors, on va continuer... Putain! Oh putain, ok, d'accord, alors là, il y a toute une colonie... Oh putain, on va attendre qu'il se ramène... Mitraillez-le! On aurait dit une arme. Ah bah il a le pompe. Le pompe à longue portée. Je vais plutôt prendre la mitrailleuse. Je peux pas la voir là? Je peux pas avoir la mitrailleuse si, voilà, ça y est. Putain, mais non. Non mais vous avez vu ça là? Sérieux quoi, je lui tire dessus et tout. Ce qui est super chiant, c'est qu'en plus quand il tire.
D'abord, quand ils tirent, ils nous touchent toujours, qu'ils soient à 10 mètres ou qu'ils soient à 300 mètres, de toute façon, ils nous toucheront. Mais en plus, quand ils tirent, ils se déplacent en même temps. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de réussir à les tuer. C'est que quand ils tirent, ils se déplacent. Et eux, ils nous touchent toujours, et nous, évidemment, on arrive que très rarement à les toucher, étant donné que la sensibilité est beaucoup trop élevée, je trouve. Putain. C'est vraiment énervant, ça. Qu'est-ce que t'attends ? Oh putain, on recommence de là, hein. Allez, à tous les coups, cette vidéo, on va même pas réussir à dépasser cet endroit. C'est splendide. Allez, on va y aller en bourrin. On va se déporter par là. Allez, on va essayer de longer ce mur, là. Donc là, j'y vais au couteau. Ah, peut-être qu'on peut grimper, là, ça m'étonnerait. Non, on peut pas grimper. Putain, mais cette texture, elle est immonde, là, quand même. Il y a des trucs, ça fait vraiment peur, hein, putain. Je pense qu'on est sur PS3, quoi. Alors, je sais pas ce qu'il en est sur la 360... Voilà, je l'ai pas du tout vu arriver. Putain, mais non! Alors vous le voyez, il y a un petit QTE qui s'est enclenché. Voilà, ça y est, je vais me le faire. Quand les dinos réussissent à nous toucher, généralement il y a un QTE qui s'enclenche. Et donc il faut réussir à appuyer sur les touches adéquates. Donc, ici de pas... C'est par où là? C'est par là-bas. Putain, je peux monter là? Ah, peut-être que je peux monter par là. Finalement, c'est pas aussi linéaire que ça en a l'air, vous voyez. J'ai peut-être été mauvaise langue. Même si je suis pas trop... Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Putain, mais c'est quoi, ça? C'est quoi, ce truc horrible, quoi? C'est une partie du vaisseau, encore. Ok, voilà, qui est top. Ouh là là, il vient me voir, lui. Moi, je m'en fous de lui. On va continuer. Je peux pas passer. Non, c'est totalement linéaire. On peut pas... Il y a qu'un seul chemin, vous voyez. L'environnement est vraiment, vraiment fermé. Ça, c'est dommage, hein. On n'a pas vraiment le choix, je suis obligé de passer par là. Je vais prendre mon arc. On va attendre qu'il se ramène. Le voilà ! Putain, je crois que les autres l'ont entendu. Je sais pas. Non, non. Alors les ennemis sont assez nazes, hein, parce qu'ils ressemblent vraiment, je trouve, aux ennemis de Killzone. Encore un hélico là. Ah, c'est lui en fait. Ah putain, mais je fais encore toucher par je sais pas qui là. Sérieux quoi. Putain mec. Ça y est. Il y a un dino avec du bol, il va m'aider. C'est ça qui est cool avec les dinos, voilà nickel, il va y aller. C'est ça qui est cool, c'est que les dinos, ils peuvent être de notre côté. On peut même les attirer, hein. D'ailleurs, là, j'ai le pompe, je peux les attirer si je veux. En faisant comme ça. Je balance une fusée. Putain, non, 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 non! Oh, mais il est avec moi, quel con! J'ai pensé une grenade, j'y pensais plus à ça. Les explosions des grenades sont totalement pitoyables. Putain, mais... Ah ok, d'accord, il y avait un côté de moi. Il faut vraiment pas que je pomme, là, quand même. J'ai bien joué, là. Putain, mais j'arrive pas à bien viser avec cette maladie de merde. Putain. Ça y est, tu vas crever, oui! Oh, là, c'est pas mal, là, c'est pas mal. L'autre, il est avec moi. Regardez, ils sont assez bien modélisés, quand même, regardez. C'est l'un des... Alors, là, je sais pas ce qu'il a. Il a eu une espèce de bug, là. Ouh là là, il se la joue à la Michael Jackson, là. Je sais pas ce qu'il a. Mais en tout cas, ils sont assez bien modélisés. C'est l'un des rares points, des rares bons points du jeu, si on peut dire. Alors, je crois que ça, c'est des œufs de dinosaures. Que j'y vois mal sur ma télé, c'est extraordinaire. Ouais, c'est des œufs. On peut rien faire avec ça, je pense. Il y a un passage là. Oh, il y a un passage ici, tiens. Alors, on va y aller. Quoi? J'ai même pas vu qu'il y avait un dino derrière moi. Et bon. J'ai plus de munitions. Oui, donc je disais, là, il y a un passage là. Ah non, je peux pas y aller. Ouais, ça, je me disais aussi, c'était trop beau. Non, je peux pas y aller, je peux pas y aller. Ça devait être juste l'endroit d'où arrivaient les raptors. Allez, on y va. Essayons de ne pas perdre jusqu'au prochain checkpoint. Parce qu'il faut savoir que les checkpoints sont tout de même assez espacés. C'est ça qui est énervant. Putain. Allez,
va y aller, on va foncer dans le tas. On va se planquer ici. Attention, on y va. Putain de merde, j'aurais dû recharger. C'est bon, il n'y a plus personne apparemment. Si, il y en a ici, on va se le faire en beauté. Ouh, ça c'était joli. Où ça? Là-haut. Ok, on va prendre l'arc. Où il est? Putain, mais comment tu veux? Mais putain, je lui ai envoyé 50 000 flèches dans la tête, là! Quoi? Mais putain, c'est la merde, ce jeu! J'en peux plus. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi je n'ai tenu que 2 heures. Et encore, je vous assure que ce que vous voyez là, très honnêtement, c'est la phase de jeu la plus intéressante que j'ai eue durant ces 2 heures. Mais je vous assure, voilà, les 2 premières heures, c'est absolument horrible, quoi. C'est horrible. Quand on est dans le bunker, ça dure 1 heure. Les soldats ont une IA de merde. C'est pourri de bout en bout, quoi. Voilà, c'est pourri. De toute façon, dans ce jeu, je pourrais presque... Putain, on recommence de là. Je pourrais presque ne lui citer que des défauts, hein. Je trouve l'ambiance et l'atmosphère très moyenne. Il y a aucune interactivité avec les différents décors, mais aucune. Regardez les gens dans le dos. Voilà, level design, on serait revenu sur la Nintendo 64. Pratiquement que des couloirs. Juste quelques passages comme celui-ci en extérieur qui sont assez réussis. Bon, mais le reste, franchement, surtout il est beaucoup trop difficile, quoi. Franchement, c'est ça le souci. On peut pas s'amuser. C'est trop frustrant de crever tout le temps, quoi. Totalement linéaire. Et encore là, je trouve que c'est pas trop mal. Mais putain, encore une fois, ce que j'ai fait avant, c'était plus linéaire, plus dirigiste. On ne pouvait pas, voilà. J'ai l'impression que le seul bon point du jeu, c'est les rares environnements ouverts comme celui-ci là. Mais c'est vraiment le seul bon point, hein. Donc putain, j'en ai marre là de refaire cette phase. Oh putain, encore lui là. Voilà. Donc alors j'aimerais bien comprendre. Je reste ici et ils vont me voir là. Donc là, il y a l'hélico qui est en train de poser les soldats en haut. Est-ce qu'ils vont me voir? Faut y aller. Mais, oh putain, mais lui, comme tout à l'heure, là! Qu'est-ce que je suis bloqué? C'est lui qui est bloqué? J'étais à moitié bloqué sur lui, j'étais sur lui, là. J'ai essayé de faire du rodéo sur le raptor, mais ça n'a pas fonctionné. Ok, on va essayer de les contourner. Soyons plus malins qu'eux. Passons par là. Voilà, on va passer par là. On va se planquer dans ce tronc d'arbre là. Oh putain, mais où est-ce que je suis tombé là? Là, on peut grimper. Voilà, là on est pas mal. Là on est pas mal là. Ok, on va se positionner ici. Oh, putain, je me fais tirer de. Je me fais tout d'où là? Là-bas, de là-bas, mais. Oh, putain, c'est lui. Mais putain, mais non, mais vous avez vu ça, là? Non, mais on va pas réussir à quitter cet endroit. On va pas réussir. C'est ça, le truc. On est rendu à 23 minutes de vidéo et on ne va pas réussir. Je ne vais pas... Putain, en plus, je m'énerve. Je me chauffe, je m'énerve. Je joue de plus en plus mal. Faut rester calme. On y va. Bon, on va tenter peut-être de faire autrement. On va tenter... Je vais tenter... Allez, on passe la cinématique. Je vais tenter d'aller direct. Toi, tu vas crever. Toi qui vas prendre pour les autres. Donc, cette fois-ci, on va passer par la gauche. Sauf que là-bas, il y a des raptors. Alors, regardez ce qu'on peut faire. Si je prends... Non, si je prends le pompe, vu que pour chaque arme, on a droit à un tir secondaire. Regardez, là-bas, il y a des raptors. Normalement, si je tire sur lui... Une fusée éclairante. Non, il se passe rien. Si, voilà, regardez. Les raptors sont attirés. Et... Voilà. Et c'est extrêmement mal fait, je vous l'accorde. Mais les raptors, vous avez vu, sont allés tuer le soldat. Donc ça, c'est pas trop mal. Putain, là, je le sens mal pour moi. Je le sens vraiment très, 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 très mal pour moi. On va y aller au couteau. Ça passe ou ça casse. Go, John Rambo! Oh putain, là je sens mal parce que je suis en train de me faire shooter pendant le QTE. Ah putain, je suis mal là. Je suis très 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 mal là. Et je suis mort.
Putain, j'ai m'arraché les cheveux là. Je joue comme une bille en plus. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ouh, j'ai cassé la manette. Je vais la casser, cette manette. Le gameplay est vraiment pourri, putain, mais sérieux, ça tombe trop rapidement, on n'a pas le temps d'ajuster notre tir, qu'on est déjà mort. On peut pas faire, quoi, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Putain, on peut pas. En plus, vous l'avez vu, ce qui est énervant dans ce putain, mais c'est que si encore on avait eu des armes vraiment originales comme dans les anciennes Turok, ben ça l'aurait fait, quoi. Mais là, on a que des armes ultra classiques. Et ça, c'est vraiment, vraiment énervant. Putain, il aurait fallu qu'on ait des armes originales et tout. Le jeu qui soit tout de même un petit peu plus beau, parce que là, c'est plus que limite, ce qu'on a là. Et tant pis, je m'en fous, j'y vais à fond. On va tenter de tous se les faire au couteau. S'il faut, je vais y arriver. Donc là, je me fais toucher par... On va s'accroupir. On peut... Oh putain. On peut s'accroupir, hein. On peut également sauter. Sauf que ça ne sert à rien. Voilà, on peut sauter comme ça, mais... Pas encore vu. Allez, on va se le faire, lui. Voilà, un en moins. Là-bas, il y en a un autre, mais là, je suis trop loin. Si je fonce sur lui au couteau, il va me shooter. Il va réussir à me niquer, donc on va attendre. Voilà, ça y est, là, je devrais pouvoir l'avoir, là. Voilà, ça c'est beau. Voilà, ça c'est pas mal. On va tomber prendre le shotgun là. Si jamais il y en a un qui est loin, non, il y en a plus. C'est bon, tout le monde est mort. Je les ai tous tués au couteau, c'est splendide. Oh putain, là-bas il y en a un, je crois. Vous allez crever. On va le prendre à revers. Coincez-le. Ouh, ça c'est beau ça. En plein dans la carotide. Allez, on y va. Oh putain, il y a un méchant là. Oh l'enfoiré, en plus il a envoyé une fusée je crois pour attirer. Ah non non non, en fait il a un pompe. D'accord. Il a un pompe, bon c'est bien, ça va me permettre de lui prendre ses munitions. J'en ai combien? Je suis au maximum 50. Bon là j'ai bien fait le ménage. Je suis assez content de moi. Il faut pas crever maintenant. Donc on va y aller tout doucement. Là-bas il y a un méchant. On va s'éloigner. Est-ce qu'il m'a vu? Non, il m'a pas vu, je suis trop loin. Pas mal, à la Rambo. À la Rambo style. Qu'est-ce que c'est que ça? Une erreur souvenir, vous avez été déconnecté de PlayStation. Si tu veux, de toute façon, je suis pas sûr, je suis pas online là. Vous savez, j'ai une connexion tellement pourrie. Donc je veux bien croire, j'ai été déconnecté. Je ne le nie pas. Allez, c'est bon. Je suis arrivé au même point que tout à l'heure, donc là... Je vais essayer de faire gaffe maintenant. Vous avez vu ça? Je me suis tous fait au couteau. Le couteau, c'est la meilleure arme du jeu. Mais je vous avoue que c'est assez fun quand même. C'est assez jouissif de se faire comme... Alors, putain, d'où il vient? Putain, ils vont tous se poser là. Je vais m'enfuir. On va fuir. On va aller là. Sauf que là, je peux rien faire ici. Est-ce que je peux monter là? Non, je suis bloqué. Il y a des murs invisibles de partout. Voilà, allez, vas-y, toi. Je vais le faire, lui. Vas-y, tue-le. Donc ce que, ah oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que depuis le début du jeu, je suis accompagné de ce type là. Ouh là là, je vais l'aider là. Même si ça sert pas à grand chose. Oh, putain, je sais pas pourquoi. Je disais donc ça sert pas à grand chose étant donné qu'il est immortel. Mais voilà, quand il se fait toucher. Oh putain, tu restes comme ça toi. Peut-être que si je reste. Oh, tu vas prendre le couteau. Oh, ça c'était joli. L'autre il est où? Il est où? Il est où? Oh putain, il m'a chopé. Ah putain, je suis dans la merde là. Je suis dans la merde là. Je suis vraiment dans la merde. Parce que je me fais toucher par les autres. Ils vont m'avoir. Putain. Mais oh. Non mais putain, mais je suis tout cassé. Ah, mais j'avais fait une superbe prestation au couteau. Et je crève à la fin. J'ai plus de voix. J'en peux plus. J'en peux plus, quoi. Ah non, de Dieu, j'en ai marre. Qu'est-ce que t'attends? Oh, t'es regardé, voilà. Là, je suis accompagné de lui. Alors lui, je sais pas ce qui va se passer. Parce que lui, on le revoit plus. Voilà. Mon compagnon, il est là. Mon collègue, il est là. Donc, toujours très bien modélisé. Mais l'autre, là, qui a, je crois, en plus, un fusil de sniper que je n'ai pas encore... Hein. Mais je sais pas ce qui se passe, mais regardez, on va passer la cutscene et il a disparu. Voilà. En fait, les deux ont disparu, je m'aperçois. Donc là, où est-ce qu'il est là? On va se faire.
Ah mais j'en peux plus là, sérieux, mais comment je fais là? Comment je fais? Bon allez, je vais y aller, quand je vais faire comme tout à l'heure. Là il m'a pas vu par derrière. L'autre il m'a pas vu par derrière. Là, on va se planquer. Alors on n'a pas de système de couverture, hein. Je veux dire, on peut seulement se baisser, enfin s'accroupir comme ça, mais on n'a pas de véritable système de couverture. C'est un petit peu gênant. Je peux vous dire que quand je joue à ce jeu, je me dis que Killzone 2 c'est un chef-d'œuvre à côté. Hein. Ah sérieux. C'est pas une bouse non plus, c'est pas. Parce que là franchement on pourrait presque s'amuser là, c'est pas mal. Mais encore une fois, si vous avez fait. Si j'avais commencé ma vidéo. J'avais commencé la vidéo. Oui, il vient lui. Oh putain. J'espère qu'il m'a pas repéré. Non, c'est bon. Il est parti là. Ah, je comprends plus rien. Il est parti. Il a disparu. Je me fais shooter. Et le voilà. Ok. Bon. Je n'y comprends pas grand chose. Mais on va continuer comme ça. Oh putain, toi je t'ai vu, toi je t'ai entendu, tu vois, hein. Comme quoi le son sert à quelque chose, parce que là je l'ai seulement entendu, hein. Toi viens par là, on va attendre qu'il arrive, tranquillou, regardez, et hop, dès qu'on est assez proche, vous avez vu, l'icône en bas à droite s'affiche, ça veut dire que juste en appuyant sur la gâchette R2, hop, c'est automatique, une cutscene, et on le tue en un coup, alors qu'il faudrait pratiquement tout un chargeur pour réussir à le flinguer avec une arme à feu classique, quoi, c'est un petit peu abusé, mais bon. Voilà, alors là, je sais pas comment j'ai fait, ça a été très facile. Bon. Seulement, c'est après que je crève à chaque fois, donc j'ai envie cette fois-ci d'y aller directement, quoi. De rentrer dans... Je vais aller directement sur eux. Où est l'hélico? Il est là. Je vais aller sur eux, je suis un fou. Je vais me les faire un par un. Non, raté, là-bas. Oh putain, ah non, là, j'ai été un petit peu trop fou, quand même. Un petit peu trop fou, ça n'a pas fonctionné. Bon. Je veux bien croire que ça soit ma faute. D'accord. Ah, putain. Bon, en tout cas, en ce qui concerne le jeu, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Moi, ce Turok ne m'a pas du tout plu. Vraiment. Je me suis emmerdé durant les 2 heures. C'est vrai que là, la phase que l'on voit actuellement est plutôt sympa. Vraiment, je le reconnais. Mais encore une fois, tout ce que j'ai fait avant, c'était de la merde. Mais vraiment de la bouse, quoi. Dans le bunker, c'était moisi. Et toute la phase qu'on avait avant, au début du jeu, quand on est dans la jungle, c'est pourri, c'est moche, c'est laid en plus. Mais ça vaut zéro, quoi. Vraiment. Là, j'avoue que c'est pas trop mal. Ce qui m'a plu, c'est quoi? C'est le couteau, les attaques au couteau. Je dois bien vous avouer que ça, c'est... Alors lui, on va attendre qu'il se retourne. Je dois bien vous avouer que c'est vraiment fun, ça. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Allez, go. Maintenant. En silence, tout en silence. Voilà. Personne n'a été alerté. Allez, on va run. Non, c'est pas par là. Putain, c'est par où déjà? Non, par là-bas. Là, j'ai bien joué. Donc là, non, il y a un garde, là. Ah, ça y est, là-bas. Putain, je l'ai raté. Ah, mais en fait, peut-être, je crois que j'ai compris. Peut-être que si on réussit à rester silencieux, comme je viens de le faire, eh bien l'hélico n'arrivera pas. Voyons. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, je viens de comprendre. Le Hooper vient de comprendre le principe de Turok. En fait, c'est ça. Donc, comme quoi, la furtivité est vraiment importante, parce que l'hélico qui venait toujours ici, eh bien, n'est pas venu, vous voyez. Et tout à l'heure aussi, il n'était pas venu. Je m'étais pas posé la question, maintenant j'ai compris. Alors par contre, l'hélico qui est là, je crois par contre ici ça doit vraiment être scripté. Parce que je peux obligé de passer par là. Ben ouais, voyons. Voilà, non, voilà, ça par contre c'est scripté. Ok, d'accord, cet hélico là est scripté. Mais celui d'avant ne l'était pas. Ah ben là je dois bien vous dire, je suis agréablement surpris parce que je n'y attendais pas, voyez. Donc l'hélico n'est pas venu parce que je n'avais pas déclenché l'alerte en fait. Voilà. Mon pote, voilà, lui en fait il me rejoint toujours d'ici, lui.
va se faire les raptors. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Quoique c'est pas... On va attendre... Normalement, il y a un second qui doit arriver là, non? Non? Il n'y a pas un second là? Je vais le faire vite fait. Avant que les soldats arrivent, il est là. Allez. Oh putain, magnifique là. Trop fort ce cutscene. Je l'avais pas encore eu, je crois. Voilà. Et maintenant... Oh putain, il avait un autre là, non? Non? Allez, les raptors sont morts. Le shotgun. Et c'est parti. Un en moins. Non, là-bas, mauvaise idée, retraite, retraite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Je vais laisser mon pote y aller. Alors, par contre, donc voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que je n'arrivais pas à finir ma phrase. Depuis le début du jeu, je suis avec ce bonhomme là. Mais en fait, il est autonome, hein. Il a une IA gérée automatiquement par le CPU. Je peux pas du tout lui donner d'ordre ni rien, on est totalement tributaire quoi. Et là, par exemple, il joue tout seul. Ah, il est en train de se... Donc là par exemple, par contre il peut pas crever, putain j'ai encore crevé hein. Par contre il ne peut pas mourir, apparemment quand il se prend trop de coups, il se met à terre, il gémit et au bout de quelques secondes il remonte quoi. Donc je pense aussi qu'il a des munitions infinies, donc on va le laisser faire. On va rester là et on va attendre que les autres arrivent, et vu que de toute façon il n'y a pas d'autre chemin, ils peuvent pas venir par là. Ils peuvent pas venir par là, donc voilà, on va attendre que, je sais pas comment il s'appelle, mais on va attendre que notre ami... Putain, mais vous avez vu ça? À peine je sors, quoi, ils ont des mitraillettes, ils sont à 300 mètres sur la corniche tout au fond, et eux, ils tirent un coup, ils me touchent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre arme avec lequel on a le meilleur zoom. Oh putain, là-bas, il y en a un, dis donc. Un en moins. Et on va tenter de se les faire. Et... Là, je n'y vois que dalle, apparemment. Je les vois. Ah, ils sont là-bas. Rien. Espèce d'enculé, prends ça. Une petite grenade. Allez, on va y aller. Je pense que là, ils sont plus que deux. Là-bas, il y en a un. On va essayer de le prendre en revers par là. On va être plus malin. Et là, il va sûrement me voir. Regarde un peu s'il me voit. Je sais pas s'il m'a vu, là. On va y aller, comme ça. Là, par contre, il m'a vu. Putain, mais ils sont résistants, en plus. Il doit encore en rester quelques heures. Oh putain, là-bas il y en a sur la corniche. Oh putain, non, non, non! Ah, il est là! Il est là, cet enculé! C'est pas trop mal. Oh putain, là-bas. Je t'ai vu fumier, je t'ai vu fumier. À la Rambo. Mais il est avec moi. Alors, il y a un truc, je... Ah, mais il est avec moi! Putain, c'est mon pote! Ok, donc lui, en fait, il... Ah, d'accord. Je crois qu'en fait, c'est le bonhomme qui est avec moi au début de la vidéo, en fait. Ok, donc lui, il est toujours là. Et en fait, le bonhomme en haut... Alors, est-ce que vous voulez que je vous dise à quoi je vois qu'il est avec moi? Parce que quand je le vise... Regardez. Le réticule, il devient bleu comme ça. Et ça veut dire qu'il est avec moi. Voilà. Donc je pense que ça doit être moitié safe. Donc là on doit pouvoir y aller quand même. On va ramasser des munitions sur les cadavres. Oh il est avec moi lui. En fait il est en train de les shooter de là-haut. Putain vous avez vu ça? Putain. Je vais crever. Mais putain quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait personne tout à l'heure. J'ai crevé. Je vais encore crever. Merde. Je suis dans la merde. Ah, c'est pas trop mal là. Ah, là j'ai joué assez correctement, je dois dire. Ah là c'est pas mal là. Faut surtout pas que je crève là parce que franchement si je meurs là, je ne recommencerai pas. Il est avec... Ah ok, lui avec, il est avec moi. Est-ce que c'est là qu'il faut aller? Ah ouais, c'est là en fait. Ok, on doit sûrement aller dans cette espèce d'épave là. Putain, non, non, non! Putain, mais c'est dingue hein. D'où on me tire? Ah, c'est lui? Ok, là. Je l'avais pas vu.
au couteau. Oh putain. Là par contre je l'ai bien vu. Non, on sait pas si c'est pour le couteau encore. Putain mais attends mais... Oh putain, foiré. Non, non. On va plutôt prendre la mitrailleuse là. Mais attends, sérieux, mais il y avait toute une armée ici, c'est incroyable. Je crois que là, par contre, on a bien fait le ménage. Ce qu'il faudrait, c'est un petit checkpoint. Ah, quand on voit comme ça, c'est pas moche, hein. Franchement, c'est pas moche, hein. Très honnêtement. Mais encore une fois, honnêtement, je crois que c'est le premier environnement ou l'un des rares auquel je me dis, ah, c'est pas si moche que ça, c'est assez beau. Parce que tout ce que j'ai vu avant, c'était laid. Donc, ok, on va continuer, c'était bien par là. Attendez, je regarde quand même s'il n'y a rien à... Oh, mais ça, c'est quoi, ça? Ah ouais, je vous explique. Donc je vous ai dit, on a toujours sur nous à la fois le poignard et l'arc. Et on peut prendre deux armes. Donc par exemple ici c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Mais donc je peux l'échanger contre une autre de mes armes. Je sais pas ce que c'est cette arme, voyons. Ah mais c'est une nouvelle arme en fait. Putain, j'ai bien fait de regarder là. Et j'ai regardé pratiquement par hasard là ce truc là. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ok, c'est le fusil à plasma sûrement. Comme dans Turok 1 ça. Et on voit un peu ce que c'est que le tir secondaire. Ok, une espèce de grenade apparemment. On va recharger. On va garder ça, ça me semble pas trop mal. Ah mais ça aussi c'en est en fait. Ah voilà, fusil à impulsion il y a marqué. Ah enfin, en fait il n'y avait que des fusils à impulsion ici. Peut-être que je peux prendre des... Ah, ça devient pas trop mal là. Allez on va continuer. On va essayer par là. Dirigez-vous vers la fumée à l'horizon en fait, c'est ça l'objectif. Mais est-ce qu'il y a une fumée? Moi je ne vois pas de fumée. Hein. Dirigez-vous vers la fumée. Vous en occupez pas pendant mon absence. Oh, on s'entend à merveille. Pas vrai, abruti? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Je crois qu'il m'a traité d'abruti. Fumier, va. Bon. Je sais pas, on va continuer par là. Je sens que je vais me faire avoir, je sais pas pourquoi. Ça sent le boss ici, vous savez quoi? Je sais pas, une plaine comme ça, sans ennemis. J'ai comme un mauvais pressentiment. Mais bon. Il y a des bruits. Il y a des bruits. Il y a des bruits. Alors tout à l'heure j'ai vu un T-Rex. Hein. J'ai eu une phase... Oh putain, c'est quoi ça? Normalement il y a un méchant derrière la colline là. Peut-être le T-Rex. Ah, pas mal fait ça. Du sang frais. Ça, c'est un coup du Predator. Je ne vois pas qui cela peut être, à part notre ami le Predator. Hein. Bon, continuons. Peut-être qu'on peut y aller par là, mais ça m'étonnerait. On va sûrement être bloqué, là. Rien que là, déjà là, là. Mur invisible. Déjà là. Hein. On peut même pas arriver jusqu'au rocher qui nous disent déjà « Non, 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 mec, laisse tomber. Turok, c'est ultra-linéaire. Laisse tomber. » Là, par exemple, si je pourrais changer mon arme avec la mitrailleuse. Ah, une grenade, je viens de récupérer. Alors, comme je vous disais, il n'y a aucune interaction. Regardez, si je prends une arme, voilà, je tire là, il se passe absolument mais rien, quoi. Il n'y a pas de ragdoll, mais rien du tout. Même pas des impacts. Et souvent, on tire sur les murs, il n'y a même pas d'impact. Voyons s'il y en a. Bon, il y en a, mais c'est ultra mal fait, quoi. Sérieux, c'est... Ah, une petite fontaine. Ah, sauvegarde en cours, nickel. Bon, mais c'est bon. On a eu droit à notre checkpoint, ça fait plaisir. Putain, c'est pas bien fait, là, quand même. Ouh, là, je suis tombé. Ouais, l'eau encore, ça va. Bon, allez. Putain, j'y vois que dalle sur ma télé. Bon, allez, go, 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 go. Là, on perd du temps. Je vais reprendre le fusil à plasma, plutôt. Voilà. Et on y va. Qu'est-ce que c'est? On est observé. Ça, c'est des nouvelles bébêtes. Hein. Je n'avais pas encore vu ça jusqu'à présent. Vous pouvez grimper aux arbres comme ça. On va plutôt prendre le couteau. Et rien par là. On va attendre qu'il arrive. Alors, je vais le laisser s'approcher. Et normalement... Ah non, ça n'a pas marché là. Ah, peut-être que eux, on ne peut pas se les faire au couteau, voyons. Attendez, je vais attendre pour être sûr. Rien par là.
Oh putain, je crois qu'on peut pas se les faire au couteau, dis donc. Ok, ok. En plus, on y voit que dalle là. J'avais rien vu pareil. Ah là, il est là, c'est bon, je l'ai eu. Ok, donc apparemment, on peut pas se le faire au couteau. Donc je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on pouvait tuer tous les ennemis au couteau. Et bien apparemment, ça ne sera pas le cas. Parce que là, ça n'a pas fonctionné en tout cas. Donc... Oh putain. Ah non, je peux rien faire si. Oh putain, je vais pas crever quand même. Oh putain. Oh putain, je suis mort. Non, pas encore, mais je suis en mauvaise posture, c'est bon. Attendez, je vais retenter au couteau quand même. Ah mais si je peux, alors là je comprends plus rien. Ah tout à l'heure ça a pas fonctionné et là ça a fonctionné. Attendez, on va voir avec le prochain. C'est un autre. Ouh petit petit. Ah là-bas. Allez, ramène-toi. Ah ok, alors ça a fonctionné. Alors peut-être que je n'étais pas assez rapide. Ou peut-être qu'on ne peut pas le faire quand on est dans les feuillages. Ça c'est possible, tiens, j'avais pas pensé. Peut-être qu'on peut pas se. Non, ça n'a pas fonctionné, mais c'est mal. Ah, il est mort. C'était impressionnant, mec. Ok. J'ai pas trop bien compris comment je l'ai tué. Bon, l'autre, il me suit toujours. Allez, on va... Ah, mais c'est pas par là. Tant pis, on va... Dirigez-vous vers la fumée. Non, mais il est gentil, lui. De la fumée, il n'y en a pas du tout à l'horizon. Hein. Allez, je continue à me tourner. On est à combien, là? 46 minutes, presque 47 minutes. Bah écoutez, je continue un petit peu parce que là, franchement, ça m'amuse. Vous savez quoi? J'avoue que pour l'instant je m'étais bien fait chier dans ce Turok. Mais là, il remonte un petit peu dans mon estime. Ah, il est pas mort, si. Ok, attends. En fait, il y en avait un autre juste à côté. D'accord, vous voyez que franchement, avec le couteau, ça devient un petit peu trop facile. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez, je m'approche de lui, il me fait même pas peur. Alors que là, je me suis fait avoir par je ne sais quoi. Le souci, c'est que les dinos, on devrait les craindre. Mais on... Oh putain, mais il y en a un autre. Mais on les craint pas. Oh putain. Mais on les craint pas. Étant donné que, voilà. Avec le couteau est totalement cheaté, quoi. C'est ça. Il est cheaté, le couteau. Regardez l'autre, là-bas. Non, est-ce qu'il réussit? Allez, il revient, je me le fais, puis on continue. Eh ben, tu reviens pas? Bon, mais je vais... Je viens te chercher alors. Et voilà. Désolé mon vieux. J'ai rien contre toi, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Par contre, les dinos sont pas mal faits. Ça aussi, on pourrait presque dire que c'est un bon point. Les dinos sont tout de même, regardez, assez bien modélisés. Puis ils ont une bonne animation et tout, donc ça va. Mais bon, encore une fois, on est sur PS3, quoi. Heureusement, j'ai envie de dire. Il manquait plus que les dinos eût bénéficié d'une mauvaise animation. Ah, voilà mon autre pote qui est ici. Peut-être qu'il va me parler, non? Non, si je te coupe, non, toujours rien. Donc, il faut aller par là-bas. Ah, là-bas, il y a un chemin. Bon, allez, on va continuer. Le tétaniser ici, là. Apparemment, c'est par là. Ah, il y a parfois des petits effets de fumée, là. Ah, c'est bien rendu. Oh, finalement, vous savez quoi? Il est pas si pourri que ça. Non. Jusque là, oh putain, il y a un temps de chargement là, ça casse un petit peu le trip quand même. Un temps de chargement comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même très moyen quoi. Voilà. Même si là c'est pas trop. Oh, putain, là c'est pas trop mal. Ah. Alors je pense qu'ils sont inoffensifs, oui, parce que parfois on aura droit à des dinos inoffensifs. Ils nous font rien. Plutôt dans le jeu, j'avais eu des gros dinos herbivores aussi qui nous faisaient pas mal. Donc continue. Allez, on y est presque. J'espère qu'il y a des survivants. Oui, donc là, je vous l'ai dit, notre vaisseau s'est écrasé. Et en fait, là, on cherche seulement les survivants. Hein. Même si à l'origine, on est venu sur cette planète pour tuer Kane. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, encore un morceau, probablement, de notre vaisseau. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est un truc de fou, ça. Des cendres incandescentes.
Oula, pas mal, là, il y a un environnement ouvert, c'est rare. Regardez qui voilà! Salut les gars! Content de vous voir. Vous étiez passé. Slade, Matt, ce que j'ai trouvé! Enfin du sérieux! Eh les gars, vous avez vu les dinosaures? Ouais, j'ai buté des lézards toute la matinée, mais maintenant, c'est barbecue! C'est pourquoi faire toutes ces troupes? Kane a une véritable armée ici. Ouais, on a combattu une de leurs patrouilles il y a quelques heures. Ils vont revenir. Le problème, c'est qu'on manque de munitions et que la moitié des gars sont dans la nature. On doit sécuriser le secteur au cas où les hommes de Kane se pointent. Entendu ? Faut sécuriser le secteur ! Logan, ça va aller ? T'as pris un méchant coup quand on s'est écrasé. C'est juste une égratignure, chef. Ça ira. Si tu le dis, toi et Riz, allez voir sur les autres sites du crash. On a besoin de munitions et de matériel. Turok, je veux qu'on dégage de cette planète illico. Et pour Kane ? Oublie Kane. C'est chacun pour soi. Maintenant, je veux que tu ratisses le coin à la recherche d'une radio, pour qu'on demande une évacuation. Je m'en occupe. Eh bien voilà, je m'y attendais pas du tout. Donc là, on vient de retrouver tous nos petits copains. Je pensais qu'ils étaient morts, ou je ne sais quoi. Mais non, en fait, ils étaient vivants, ils étaient juste dans un autre coin de la map. Bon, eh bien c'était pas trop mal cette petite scène. Là, évidemment, vous avez vu, très dialogue quand même bien stéréotypé et tout. Mais enfin bon, ça, on peut pas dire que ça soit vraiment... un mauvais point, c'est normal pour ce genre de jeu. Non mais là, vous savez quoi, j'ai bien aimé. Ah, très honnêtement, hein. Le début du jeu, je trouvais ça pourri, mais alors à 200%. Ben voilà, Esprit de l'Homme, je pense que ça, c'est un nouveau chapitre. Hein. Mais là, le chapitre qu'on vient de faire, ben, j'ai bien aimé, je dois dire, vraiment, j'ai bien aimé. Voilà, puis là, le ciel est pas mal fait, là, franchement. Belle couleur. Je crois qu'on va s'arrêter là, ça fait combien de temps? Plus de 50 minutes. Et peut-être bien qu'on va le continuer. Je n'avais pas du tout prévu honnêtement de continuer ce genre en direct live comme la grande évasion, mais je me dis pourquoi pas, ça m'amuse bien. Puis bon, enfin en gros tant que ça m'amuse. Ah c'est pas mal fait finalement. Ouais. On va s'arrêter là et je crois bien que je vais faire une prochaine vidéo, peut-être demain, hein, pour continuer. Tiens, pour finir on va se faire un petit lézard comme ça. Et puis je vous dis, ah non, un gros, mais voilà, ils sont là, tiens, voilà, les herbivores qui ne nous attaquent pas, c'est eux dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, je vais m'en faire un, et puis je vous dis bye bye, et à la prochaine. On peut pas? Ah putain, on peut pas se les faire au couteau. On peut pas. Bon, eh bien tant pis, on va se le faire au plasma gun. Oui, donc ici, hein. Ils sont pas bien résistants, hein. Désolé mon gros, je suis désolé. Attends, je vais juste en profiter pour voir ce que c'est que la deuxième, que le second tir. Celui-là, là, parce que j'ai pas bien compris quoi. Ah ok, ça explose. On va faire un essai sur l'autre gros là qu'il y avait. Et après, je vous quitte. Ah, il est là, voyons. Ah ouais, ça fonctionne. Allez, je vous dis bye bye et à la prochaine.